Ils vont faire décoller leur drone. Les télécommander, vous allez les voir arriver. Et vous verrez ensuite l'action de brouillage. Il est brouillé, il ne bouge pas. Sur Paris, des systèmes de ce type, hein, pas uniquement des parades, vous aurez une quinzaine de systèmes lourds qui seront déployés dans Paris. Le Rapid Eagle, le drone intercepteur de drone, il va déployer son filet, comme vous le voyez actuellement, et récupérer le drone dans son filet pour le ramener dans une zone sécurisée. Sur les extérieurs, vous avez une autre tourelle ici et vous avez la symétrique de l'autre côté. C'est la goniométrie. C'est le système qui permet d'intercepter les fréquences et de localiser le positionnement d'un drone ou du télépilote. Ici, on a une partie qui permet de surveiller aussi la partie des avions normaux, hein, puisque je vous ai dit, je faisais partie de la brigade qui s'occupe de la police du ciel. Donc évidemment, le système a été confirmé pour ça, pour intégrer la lutte anti-drone dans la logique de défense aérienne voilà, et de police du ciel qu'on fait tous les jours, hein, vous le savez. Et donc on va mettre des dispositifs renforcés autour des jeux.